Re-YouTube! Ah oui! De retour, bien sûr. Pour vous jouer un mauvais tour sur, sur fucking Dead Space Remake. Ah oui, plaisir est maximum. Par contre, les munitions, elles sont pas maximum. On va re-sauvegarder parce que je suis débile. Comme ça, ça va me permettre de boire. Chose que j'aurais dû faire avant de lancer la VOD, bien sûr. Mais on est tellement à la wall again qu'on y pense qu'après. Et oui. Donc voilà, c'est la petite pause boisson. Veuillez patienter pendant que Prototype Garant 2 se désaltère. Merci de votre patience. Prototype 42 est en train de s'hydrater. N'hésitez pas à faire de même. Vous êtes bien dans la chapelle de la confrérie. Votre programme va continuer dans quelques instants. Merci de votre patience. Let's go! Bon, mais pas let's go en fait! Ben oui. Allô? Quoi? Pourquoi il marche pas l'ascenseur? Bizarre. Bizarre. Oui, non, mais si on se mettait sur une arme sur laquelle on a des munitions, je pense que c'est pas un mauvais call, quoi. Oh, l'ouverture d'une porte niveau 3. Plus jamais vu. Meurs! Pourriture communiste! Ah, j'aime pas trop les communistes, hein, comme vous pouvez le voir. Hein. J'ai explosé parce qu'il y avait un extincteur à côté. Qu'est-ce qui s'est passé là? Le jeu? Le problème c'est qu'on... En termes de vie, comment dire... C'est la Bérésina, quoi. Mais du coup, si je comprends bien, là, si ça se trouve, il n'y aura pas d'ennemis. C'est randomisé. C'est-à-dire que ça m'arrange. Hein. Donc oui, c'est pour ça qu'en fait, des fois, dans des salles, je suis là en mode, mais putain, mais il y a tout pour combattre, il se passe rien. Oui, mais parce qu'en fait, les ennemis sont randomisés. Oh, on a compris que ça, oui. Ah, donc les extincteurs, attendez, mais ça veut dire que... Oh.
Little eyes, what secret have you seen? D'accord, donc en fait, les extincteurs sont des armes. En fait. Ça sera pour la prochaine fois. Et du coup, on peut se soigner ou pas? Reviens ici! Je vais pas terminer avec toi, voilà! Non mais... Attendez, excuse. Ah oui, ok. Non mais ok, mais qu'est-ce que j'ai à faire ici? C'est vrai qu'on avait pas... Oh! 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 Tout ça pour des crédits! Oh! Je suis un peu deg. Super. What was that? The miners must have booby-trapped the launch tubes too. They're scrap. Well, that's great. We can't just toss the beacon out a window. There's gotta be something. The asteroid. The one in the mining bay for smelting. What about it? If I attach the SOS beacon to that asteroid and then launch it away from the ship, we'd get a clean broadcast. And you'd get yourself killed. The machinery in there is still running, Isaac. Then it probably kept those things out too. This is our best shot, Kendra. I'm taking it. Oh, c'est une bonne... Ok. Ouais, de toute façon... Isaac, il a peur... Il a peur de rien, quoi. Ça me fait chier de me trimballer sur mon... Attends, j'ai pas de munitions, je peux pas... Excuse-moi, je peux pas les inventer, quoi. Pas de munitions, j'ai pas de munitions quoi. Par contre, ce qui serait cool, c'est de vendre ça parce que en vrai. En vrai, on a plus de. De place dans l'inventaire. Bon, tant pis, on va se débrouiller comme ça. Hein. Ok. Parce que j'avoue que le pop d'ennemis là dans les petites salles là, comme ça là, t'es pas serein quand même hein. Qu'est-ce qui nous est arrivé là tout à l'heure là? Ah non, mais est-ce que tu peux acheter directement la tenue niveau 4? Comment ça... Et pourquoi j'ai débloqué deux tenues d'un coup là? Parce que genre, je suis passé à côté d'un truc et du coup c'est bizarre non? Non mais attendez, parce que là il y a un truc pour améliorer là. Du coup... On avait dit... Alors, on va prendre le rechargement, ce qui me semble le mieux. Hein. En tout cas la cadence de tir elle est déjà très bien en plus quoi. Hop. En vrai, ça me ferait tellement kiffer d'avoir les répliques des armes de Dead Space, quoi. Bon, sauf le fusil d'assaut, bien sûr. Fusil d'assaut, c'est vraiment l'arme la moins sexy, quoi. Parce que même le découpeur, franchement, ça me ferait... Bon, après, bien sûr, le cutter plasma... Regardez ça, là. Le truc PK, là. Let's go, quoi.
Ouais, juste c'est le cul entre guillemets qui est pas sexiste du fusil d'assaut, sinon après ça c'est cool quoi. Bon, excusez-moi, j'ai arrêté de philosopher sur. Mais j'avoue qu'il y a des petites répliques, il y a des armes là de Dead Space, hein. On me dit putain, en vrai. Ce serait trop classe quoi. Donc déjà rien que le cutter plasma, t'es heureux quoi. Alors attendez, parce que. Ah! J'allais dire, il y a la musique stressante et je vois rien stressant, donc c'est compliqué. On n'est pas intéressé, monsieur. On n'est pas intéressé. Laissez-nous tranquille. Vas-y, hein, je fais d'assaut once again. Hein, ouais. Je vous dis, c'est quand je joue fusil d'assaut que je me sens moins en sécurité, quoi. Attendez, mais comment ça? Où est-ce qu'il est le fusible? Allô? Non mais sérieux? Ok. Quoi? C'est bizarre. Bon, faut que je récupère le fusible de l'autre salle? Pas d'autres explications. Qu'est-ce que je vous disais sur le fait d'être pas, de pas être, de sentir en sécurité avec cette arme, hein? Putain! Aïe! Et non, mais le problème c'est que je suis obligé de. Tu sais, je dis. Le problème c'est que. Non, mais comme je dis, il n'y a pas une arme qui est mauvaise dans ce jeu. Le problème c'est que le défaut de cette arme, c'est son tir principal. C'est quand même chiant, tu vois. C'est quand même chiant comme défaut, quoi. Après, c'est vrai que c'est une des armes qu'on n'a pas montées, mais sauf qu'il y a des armes, elles sont bien sans les monter, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Le problème, c'est que pour être efficace, en fait, il faut que j'utilise les mines, et que les mines, c'est la moitié d'un chargeur. Et ensuite, tu dois recharger, et c'est une arme qui est longue à recharger. Et le problème, c'est que bon, bah, les mines, au corps à corps, bah, tu te fais péter aussi, quoi. Tiens, c'est ça la problématique. Je dis pas qu'elle est pas bien, tu vois, je dis juste que... Elle a des défauts qui sont considérables. Ok. Et du coup... fuck. Ah, et du coup... Ah, c'est trop chiant. Bon, je suis désolé, on va faire un peu d'opti, parce que là, si j'y... Faudrait voir à se calmer, messieurs.
Parce que là, j'ai plus de place dans mon inventaire. J'ai oublié comme un connard de revendre des trucs. Donc, bon. J'ai oublié de voilà, je suis obligé de revenir sur mes pas, quoi. Tout simplement. Hein. Oh là 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 là. Mais putain, qu'est-ce que c'est dommage qu'il n'y ait pas un mode photo sur ce jeu. Putain, mais ce jeu est d'une magnificence absolument exceptionnelle. J'aime ce jeu. Alors. Ok. Et après, et le problème, c'est qu'après... faudrait que j'utilise la stase, comme ça, je pourrais la recharger. On n'est pas ouf, là. Qu'est-ce que je pourrais vendre aussi? Ouais, en vrai, non mais voilà. Saoulé par la stase. En plus, on va récupérer... Ah, vas-y. Saoulé par la stase. J'avoue que je pense plus du tout à utiliser la stage, je vais peut-être le regretter. Hein. Mais écoutez. Hein. Du coup j'ai pas récupéré un autre truc là, je sais pas un truc ou un autre point là pour. Qu'est-ce que j'ai fait? Désolé le chat, mémoire de poisson rouge. Non. Mais en vrai, c'est pareil, le problème, c'est que du coup, ça me donnerait effectivement envie d'augmenter le fusil d'assaut, parce que, comme je vous dis, à chaque fois, je suis pas rassuré. Quand j'utilise le fusil d'assaut, je suis pas bien. Si ça se trouve, ça a empêché de récupérer des trucs. Franchement, ça te donnerait envie de faire demi-tour pour aller vendre le truc, mais je vais vous respecter, le chat, je vais pas le faire. Mais sachez que... Moi, en off, là, tous les jours, je retourne à la boutique, là. Pour récupérer un emplacement, là. Allez, au revoir. Pas de chance pour toi. J'avais des munitions de... de cutter plasma. Oh là là, mais... Oh là, c'est l'enfer en termes de munitions quand même. Hein. Ok. Bon, mais du coup, on va pas aller là-bas. Ah! Bon, ok, non, mais là, je sens trop le truc qui va nous dire, de toute façon, il va falloir que tu y ailles après, donc bon. Ah non mais c'est... Ah, c'est les deux mêmes entrées. Ok, on récupère de la stase. On va se heal. Et let's go. Ça, ça me dit quelque chose, ça. Ça, ça me parle, cette phase. Des fois, j'ai des petits... Oh non, pire idée. Plus jouer lance-flamme là. Vas-y, on va essayer de récupérer le lance-flamme aussi là, parce que ça fait 3 ans qu'on l'utilise plus et putain on l'a monté au max quoi. Vas-y. Donc le problème c'est que le lance-flamme en combat zéro gravité, bon, c'est
pas ouf quoi. Puis c'est une arme mi-distance aussi. Non mais c'est ça qui est trop bien, c'est que vraiment toutes les armes ont des avantages et des inconvénients. Bon, c'est Captain Obvious ce que je dis, mais... Ok, donc du coup, je dois faire quoi? C'est quoi mon objectif? Enlever les attaches gravitationnelles de je sais pas trop quoi. Placer la balise de détresse, ok. Je vais me faire découper. Ah oui, il n'y a pas une histoire de... Ok. Je vais regretter de pas avoir mes... Alors attendez, qu'est-ce que je dois faire en vrai? Ok, je peux stas ça. Ça me dit de placer la balise. Ah mais je dois passer au travers là? Oh, ah mais oui! Oui, ça me dit un truc ça aussi là. Je me souviens de cette phase là. Je sais plus pourquoi, mais il me semble que ça m'avait fait galérer à l'époque. Je crois qu'il y a des combats et tout, ça va être chiant. Du coup, là, il faut que je fasse quoi là? Faut que je me casse au scandale des Bezos, ça? C'est quoi l'objectif? Ok. Il y a encore des trucs à faire dehors, c'est ça? Détruire la tâche intérieure 1. Je fais ça comment? C'est ça qu'il faut détruire? J'ai l'impression que c'est pas ça qu'il faut faire. Bon, ça me dit quelque chose, mais... Mais pas entièrement, quoi. Peut-être c'est dehors qu'il faut aller, hein, je sais pas. Attends, laisse-moi quelques secondes, mais ouais, je t'avouerai que je suis pas loin de te demander de l'aide, là, attends, pas. Laisse-moi 2 secondes, laisse-moi vérifier juste s'il n'y a pas un truc à faire dehors. Et Bah ouais, vas-y, je veux bien que tu me dises, parce que là, je comprends pas, en vrai, hein. Fais avoir comment là. Ah. Oui, parce que je regardais bien sûr mon nombre de vies. Du coup, je fais de la merde. Je fais comme je peux. Ouf, vas-y, je passe. Alors, les roues magnétiques qui retiennent le caillou, tu mets un coup de stas pour ralentir et tu tires à l'intérieur. Ah! Oh putain, merci. Tu vois, au final, c'est évident, mais tu me l'aurais pas dit, j'aurais pas trouvé. Tu vois, parce que.
pensais pas qu'il fallait comboter entre guillemets. Maintenant j'ai plus de stase et maintenant je regrette bien sûr d'avoir attendez, on va récupérer la stase qui est dehors directement plutôt que de, parce que là peut-être qu'on aura besoin dans la phase là. Voilà, je suis perdu, attendez, il est où le cucu, il est où la tête? Ok, merci joli joli et bienvenue sur la chaîne. Ah oui, mais en fait il y a un fusible. Ah mais oh putain, heureusement que tu me l'as dit, j'aurais cherché pendant. Ah c'est, pourtant c'est simple hein, mais donc j'avais eu l'idée de la stase, mais la stase plus le truc, j'étais en mode quoi. Non, j'ai. Ah! C'est sûr qu'il y a de la stase là. Warning. Exterior gravity tethers offline. Interior tethers at full power. Ah oui, il manque une. Bon, en vrai, j'ai pas besoin de. Tu me parles? Ah putain, mais j'étais en mode. Je le voyais pas, quoi. Je faisais ça juste au son, en fait. J'étais en mode, putain. Comment ça, lancer l'astéroïde? Ok. Oui, il faut sortir, quoi. Hop, vas-y, on va recharger ça. On va enlever ce putain de fusil. Ah, mais attendez, il y avait plein de. Même dehors et tout, j'avoue, j'y ai pas pensé. Est-ce qu'on va récupérer les trucs dehors? En vrai, on a tellement rate de munitions que. Ce serait worse. Hein. Il y en avait plus ici, là. Ah mais je veux pas. Est-ce qu'on va mourir comme un connard là?
On a failli mourir comme un con. Mais qu'est-ce qui est passé là, comme ça là? Petite munition de cutter plasma, ça valait le coup. Peut-être qu'il y en avait encore d'autres dehors, mais bon, bref. On va se débrouiller avec ça. Hein. Hop. Salut Yozora, comment ça? Bienvenue à la chapelle. Tranquillement. Comme je dis à chaque fois, comme je disais tout à l'heure, ça irait sans doute mieux si je jouais à un autre jeu, mais mis à part ça, ça va quoi. Ah oui, mais t'inquiète, je me souviens de. Je me souviens que c'était la galère. Et là, pour le moment, c'est trop facile. Je me souviens d'un moment de galère en fait. Tu vois, je me souviens pas exactement quoi, mais le fait d'avoir fait cet astéroïde là, je me souviens de. Putain, c'est... après c'est la galère quoi. Sens du timing. Ah, tu parles de, tu veux dire en termes de difficulté, juste de manière globale. Ah, d'accord. Bah, en vrai, je t'avouerais que, tu vois, ouais, je suis pas malheureux parce que. C'est vrai que j'en parle pas depuis. Parce que je pense à plein de trucs, mais c'est vrai que. Pour... Enfin, tu vois. Bon, j'ai mis de lancer le jeu en difficile pour galérer un peu, quoi. Et là, pour le moment. Disons que je suis mon pire ennemi, quoi. Là, on est un peu en train de rouler sur le jeu, là. On a des armes hyper efficaces et tout ça, donc, tu vois. Tant mieux, hein. Nutrition et heal. Comment ça, nutrition? Tu veux savoir si je suis suivi par un nutritionniste? Ben non, pas du tout. Niveau nutrition, ça ne va pas du tout. Niveau heal, ça peut aller. Ah, munition! Putain, mais je sais pas lire. Niveau ophtalmo, ça va pas non plus. Non, niveau munition, c'est la galère. Ah ouais, c'est peut-être ça qui va nous faire galérer, c'est que niveau munition... Bah, c'est pas ouf. C'est pas ouf là ce qui nous arrive là. Merci Mumei. Comment ça va arriver? Le point que tu vois. Allez! Et du coup. Est-ce que vous serez capable de me dire, est-ce que je peux économiser directement pour acheter l'armure de tier 3 ou je pourrais acheter l'armure de tier 3 uniquement quand j'aurai acheté l'armure de tier 2? Tu m'étonnes, oui. D'accord, Yozora. Parce que là, à la grille dense. Moi, j'aurais envie de ne pas toucher, de ne pas acheter l'armure de tier 2 pour acheter directement l'armure de tier 3, mais je sais pas si c'est possible. Et parce que là, il nous reste que 15 000, après ça veut dire qu'il faudrait qu'on refarme 35 000. Ouais, mais je peux pas tester, j'ai pas l'argent. C'est pour ça que je vous dis ça. Si c'est pas possible, j'achète directement celle à 20 000. Vous savez pas quoi.
Ben ouais, mais si j'attends pour avoir l'argent et qu'on galère alors que j'aurais pu avoir une nouvelle armure, bon, tu vois ce que je veux dire? J'aime galérer, mais j'ai mes limites, quoi. On va attendre. Du coup, hop, on va sauvegarder. On va sauvegarder, on peut pas améliorer. Ah, tu sais pas toi, Jolie. Ok, bon. De toute façon, on va juste changer d'arme. Oh fuck, putain, mais ça la galère. Hein. Plus de munitions, de rien du tout, quoi. Le truc PK, là, on est en... On pourrait se rassurer en disant bon ben au pire de toute façon on a quand même une de nos armes avec lequel on a des munitions, une de nos meilleures armes avec lequel on a des munitions, mais bon, quand même pas ouf ouf quoi. Ok, ben attendez, on va re-sauvegarder parce que depuis que j'ai fait ce petit changement là, ensuite on est pas trop mal. Mais ouais, là, je me souviens qu'il y a une galère, là. Ça a été trop simple, en fait, cette histoire-là. Non, non. Oh, il fallait que je... Oh, il fallait que je récupère le fusible. Je déteste ma vie. J'avais pas vu. Non mais meurs au bout d'un moment, genre, Eh oh! Non mais... On va voir... Mais, monsieur... Mais, monsieur... KM... Ah mais attendez, on n'a pas besoin de faire le trajet. Oui, j'avoue, j'aurais pu... oui, bon, écoutez, on est un galérien, écoutez. Voilà. Team galérien, team non-opti, team logique de merde, team tout ce que vous voulez. Je re-sauvegarde. Si je dois refaire ça, ça va me faire chier. En vrai, j'ai envie de garder ça parce que ça, c'est quand même, un sacré punch. Et même avec 3 balles, tu peux faire des choses, quoi. Attendez, est-ce que c'est pas l'instant où... On consomme ça. En vrai, on aurait pu vendre l'eau 2, mais bon, je crois qu'on va être content de l'avoir là dans pas longtemps. Ah, c'est peut-être là? Oh mon dieu. C'est peut-être là que tout ça va être servir.
Vas-y. Ah, ok. It's working. The beacon's online, broadcasting wideband. I'll align the receiver. This will take a minute. Head on back to the tram station. Ah, ben voilà. Forcément. Hazardous anomaly detected. Oui. Forcément. Oula, mais t'es bien rapide. Putain, je sais plus utiliser. Ah mais c'est la fameuse qui meurt pas là. Ah oh, super. Bah yes. Et nous le feu qu'on... Ouais non, le feu on gère mal ça. Ou le feu c'est pas un truc qu'on gère bien quoi. Comment ça, manual release? C'est la finition manuelle, c'est ça? Bonjour Jean-Michel. Ah si, ça marche. Putain, mais c'est... Ok, il en a rien à foutre, quoi. comment ça va, Saruman? Ok, ok. Bon, en vrai... Le problème, c'est que j'utilise tous mes munitions sur lui, il faudrait pas, quoi. Oui, doucement sur les backseats, les amis. Laissez-moi jouer, laissez-moi utiliser mon cerveau, c'est à ça que ça sert. C'est que ça n'a pas l'air évident à chaque fois que vous me voyez jouer. Mais c'est à ça que ça sert. J'ai un cerveau, je peux l'utiliser, vous inquiétez pas. Le tir alternatif, je peux l'utiliser avec aussi peu de munitions, parce que ça pourrait m'être pratique aussi. Bref. Est-ce qu'on a... Ouais, non, on avait déjà étudié nos possibilités, là. C'est ce qu'on a de mieux en termes de munitions, quoi. Ouais. Et là, on regrette d'avoir utilisé nos trucs de stats, parce que... Ça va quand même être assez utile de... Ok, il y en a deux. Ok, let's go. Ah ouais, vraiment? Ok, non, ça. Ben alors? Ah oui, le script. Ah oui, mais c'est lui. Et alors du coup... En plus, il est sympa, il est en mode... Ah oui, alors, ah non, mais ça, sauf que du coup, c'est de la merde de faire ça parce que je me...
On coupe une sortie en fait. Comment ça, truc is ready? J'aurais pu m'en empêcher. Fuck, fuck, fuck. J'aurais dû le buter pour avoir des munitions, je suis débile. Eh bien. On va sauvegarder au chat. Hein. Qu'une chose à dire. Eh bien. T'es. Oh, ce barbecue, intense ce barbecue, hein. Ok, alors attendez, on va recharger. Pff, on n'a plus de munitions, le chat, c'est la merde. En vrai, quitte à avoir autant peu de munitions, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser... Ah non, on a le découpeur qui a des munitions, en vrai. On va revenir un peu sur le découpeur. Il n'y en a pas beaucoup, hein, mais... Genre, putain, genre, le découpeur. En vrai, une des armes que j'aimerais aussi beaucoup avoir, là, s'il y avait une réplique, ça, c'est le découpeur. Le découpeur, c'est insane, quoi. Avec le truc qui se déploie et tout, là. Et avec le système de recharge. Ouais, bref. Je suis en train de fantasmer sur les armes de ce jeu, le chat, écoutez. Ah non, mais c'est lui! Ah! Ah, ok, merde, c'est pas... Ah! C'est un souci! Fuck! Ah, j'aurais dû lui donner un coup, je voulais passer sur le côté. Chaque fois, j'ai l'impression que j'ai la place alors que j'avais pas du tout. Non, attendez, du coup, j'ai pas compris où est-ce qu'il fallait. J'ai pas du tout compris ce qu'il fallait. Où est-ce qu'il fallait que j'aille? Oh là là, putain. Là, le problème, c'est que là, j'achèterais presque de la vie. On n'a jamais fait ça pendant tout le game, mais... J'achèterais presque de la vie. Hein. Pff, en vrai... Non, écoutez, tant pis. On va espérer que ça nous heal, cette histoire. On va prendre ce truc, là. Mais je t'en supplie. Heal-nous. Heal-nous, putain. Pour 20 000 crédits, donne-nous du heal. Please. Ah ouais. On est toujours de les radins. Un team radin là, bordel. L'enfer. Non, tu attribues des points. Ouais, mais j'ai rien à attribuer, moi. On est dans la clodozone, là, le chat, là. Alors, attendez. Oh, fuck. Ouais, mais... Où est-ce qu'il faut aller? On sait pas où est-ce qu'il faut aller. Bah, pas là, déjà. Euh...
On est dans la merde là. Fuck. J'ai pas du tout bon endroit direct. Fallait que j'aille continue tout droit en fait. Faut que j'aille toujours tout droit. Toujours tout droit, toujours debout, toujours la banane. En vrai, je suis en train de me dire, est-ce que là, c'est pas une situation. Le problème, c'est que je crois qu'on a très peu de munitions aussi. Est-ce que c'est pas une situation pour jouer le truc PK, quoi? Parce qu'au moins, avec le truc PK, je peux le contrôle, quoi. Il arrive, je lui fais tir alternatif direct là. Oui, peut-être appuyer sur l'ascenseur. Au revoir, hein. Passez une bonne soirée. Voilà. I think it's gone. But I can't be sure. The system's bugged out again. I'm getting those camera glitches. Ah mais souvent en plus quand tu fais ça, genre ils respawnent après, tu sais. Genre il y avait un moment on avait fait aussi un truc où on les avait esquivés, mais sauf qu'ils respawnaient après quoi, tiens, enfin. Il est passé par les coupants, bref, on verra. Oh shit. The comms array. We never fixed it. Guess there wasn't a broken encoder. Then let's hope that 48 hours estimate was wrong too. No comms. Ouais. Take the tram to the bridge. I'll hack open the door to communications. You see what's happening with the array. Bah j'avais l'impression quoi. C'est-à-dire qu'à un moment j'étais en mode pareil, il y avait le mec indestructible et deux ZAD. Et j'étais en mode bon bah vas-y, bah du coup vu que. Je vais pas m'emmerder vu que je peux pas gagner le combat avec le truc, avec le gars indestructible, j'étais en mode bon, ça sert à rien de combattre les deux ZAD. Du coup j'ai fui, c'est pareil, j'ai pris une porte, et après direct après qu'il va avoir passé la porte, les deux autres ils sont passés par les conduits, j'étais en mode ah bon bah ok. Ouais c'est fourbe. Hein. Mais bon, donc tant que c'est les gars que tu peux buter qui passent par les conduits, y'a pas de soucis. Alors, est-ce que avec un je pourrais réutiliser le. Parce que bon, j'imagine qu'il va nous retomber dessus. Bref. Ah ouais, mais le problème, c'est qu'on a un PV, quoi. Qu'est-ce que je fais? Je fais. Non mais après l'immortel il était pas passé dans les conduits. C'était les deux autres qui étaient passés par les conduits. Mais bon après il a bien vu que le mec là il a spawn en passant par les conduits. Hein. Ça l'a pas empêché. Merde. Je sais pas ce qu'il faut. Ah bah. Ah ouais, mais ça va être trop la merde. C'est là, je vais pas envie d'utiliser toutes mes munitions sur eux, quoi. Bah, je vais être obligé, hein, tant pis. Hein. On est sauvegardé un PV, let's go. On aime ce qui est en train de se passer. C'est fou. C'est fou. C'est un très très mauvais moment. Oh putain, on a plus rien quoi. Ah oui. Oh oui, des munitions de cutter plasma.
Oh mon rêve. Clearance confirmed. Tout ça pour de la thune, putain, je déteste ma vie. Ouais, bah écoutez, on va... Ah non, peut-être on a des trucs à vendre, là. Je crois qu'on l'a déjà fait, hein, excusez-moi, hein, mémoire de poisson rouge, hein. Hop. En vrai, j'ai presque envie de vendre l'oxygène, mais bon, c'est pas comme si ça nous... c'était clutch. Est-ce que... Allez, je continue ma run, j'achète pas une seule munition. C'est parti pour la galère, un PV, j'y crois à mort. Bon après là tu vois je pense qu'ils ont pas respawn parce qu'on est passé d'un étage à un autre mais bon tout à l'heure la dernière fois c'était exactement ça qui s'était passé quoi. Vas-y on va switcher sur le découpeur qu'on voulait utiliser initialement. Parce que c'est vrai que aussi le découpeur il a ça pour lui que genre il stun de manière perpétuelle quoi. Et en vrai il est plutôt pratique contre le gars qui... C'est indestructible, parce qu'au moins tu le démembres, le temps qu'il se régénère, là, tu peux faire ta vie, quoi. Team Découpeur, le chat. Let's go. Secours et recherche. Se rendre sur la passerelle. Let's go. Station now accessible. Thank you for your patience. Bon, YouTube, je crois que c'est le moment où on arrête cette VOD. Hein. J'en sais rien, hein. Peut-être. Bon, bref, on va vous la voir les gains toujours. Hein. Des bisous, YouTube. See you next time. Ah ouais.